Oh putain, on a 30 et j'en peux plus. Ok, faut que je monte comme ça. Je suis cuit. Ok, c'est bon, solo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Il y a un an, je vous ai sorti une vidéo qui était le challenge de faire 100 pompes par jour pendant une semaine. Et dans cette vidéo, je vous ai dit, si vous êtes chaud à 800 pouces bleus, je réitère, je refais ce challenge, mais avec 100 abdos par jour pendant une semaine. Cette vidéo vous a énormément plu. Plus de 50 000 vues, plus de 2000 pouces bleus. Et en période de confinement, je pense vraiment que c'est le moment pour faire du sport et donc exécuter le challenge. Si ce challenge vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si on a 1000 likes, je refais le challenge, mais avec des tractions, donc 100 tractions par jour pendant une semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de mes petits abdos. C'était Léo, venez sur les réseaux sociaux et on commence tout de suite la vidéo. Bien sûr, tout au long du challenge, vous allez voir mon évolution musculaire et on va bien sûr réaliser le avant-après et je vous propose de le faire tout de suite. Donc bien sûr, comme le challenge est d'effectuer 100 abdos par jour pendant une semaine, je vais me filmer tout au long de la semaine en effectuant mon exercice sportif quotidien, donc les 100 abdos. Je vais vous filmer mon entraînement en accéléré, peut-être pas tous les jours, sinon ça risque d'être trop répétitif. On est lundi, on va commencer, mais avant, je vais revenir sur quelques points clés. Je fais ça pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Léo, je viens tout juste d'avoir 16 ans et je pratique pas forcément de sport. Je fais que de la musculation au poids de corps et aux haltères avec charge très basse pour pas me blesser. Et aujourd'hui, je me lance dans le défi de faire les 100 abdos. Beaucoup de personnes dans l'ancienne vidéo m'avaient dit que c'était inutile parce que le corps n'avait pas le temps de se régénérer, du coup créer de la masse musculaire, tout ça, tout ça. Mais bon, vous avez totalement raison, mais le challenge est là et je dois bien sûr le réaliser car vous avez atteint l'objectif. Donc, me jugez pas sur ma façon de faire. Les abdos, j'en fais vraiment pas souvent, j'ai arrêté depuis un an car pour ma croissance c'était pas top top, je travaillais que le haut du corps. Voilà, c'est pour ça que les bébés sont assez impressionnants. Donc voilà, on s'en va tout de suite se créer un petit endroit où on pourrait faire les abdos, ensuite on ira en faire en extérieur. Aujourd'hui il est actuellement 17h ou 18h et il faut que j'en fasse 100 avant minuit. C'est parti et on va essayer de les faire tout d'un coup. D'ailleurs, pour ceux qui veulent l'avancée de ma petite transformation musculaire, venez sur mon Instagram, il est juste ici, on est bientôt 4000. Et ça me ferait peut-être beaucoup plaisir si on pourrait les atteindre assez rapidement. Et abonne-toi, les 30 000 abonnés, c'est pour bientôt. Allez, c'est parti, bisous. Donc, vous êtes prêts? Ah, période de confinement oblige les mecs. Bref, donc il faut savoir que j'ai arrêté partiellement les exercices sportifs. Durant le confinement, je continue d'en faire. Mais je vais pas vous mentir, je le fais pas tous les jours. Donc on a toujours les petits seins, je suis un peu moins bronzé, excusez-moi, mais bon, on est un petit peu en avril et le soleil, il fait pas son apparition. Les bras, ça a toujours pas changé. Et au niveau des abdos, vous êtes prêts, vraiment, je ne travaille jamais les abdos. C'est parti. Donc là, on a mon avant, abdos. Donc on peut voir que bah ils sont un peu partis. Je vais essayer de vous mettre une photo ou de vous en montrer une d'il y a un an, parce qu'il y a un an je travaillais tout simplement les abdos. Mais il faut savoir qu'entre cette période j'ai gagné facilement 10 cm. Je sais pas si c'est possible, mais j'ai beaucoup grandi entre ces années. Enfin, il y a qu'une année quoi. Logique. Donc pour la première journée, je vais tout simplement m'installer un petit coin de sport dans mon studio. Donc je vais chercher le matériel qu'il faut, c'est-à-dire un tapis pour pas me défoncer le dos, parce que c'est pas comme les pompes, on peut pas en faire partout. Enfin je pense, je vais essayer de faire différents exercices, mais je pense qu'on va tout simplement rester sur les abdos classiques. Et que je vais mourir et vous allez avoir ma réaction demain matin quand je vais me lever. Bien sûr, je vais vous faire un avant après, c'est parti. On est équipé. Allez, que le challenge commence. Donc pour ça, je vous propose d'installer une petite salle de sport ici. Bon, bah là voilà, j'ai installé ma petite salle de sport provisoire, mon petit tapis tout simplement. Et on va tout de suite commencer l'exercice. Par contre, il y a vraiment un truc qui me saoule, c'est ça. Eh, dites-moi si vous pensez que je vais réussir. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui ne croient pas en moi. Ok, c'est parti, on est dans ma petite salle de sport improvisée. Je vais juste regarder comment faire des abdos pour bien ne pas me tromper. Donc on va chercher tout de suite ça. Comment faire des abdos? Allez, c'est parti. Alors, comment il faut faire? Comment bien travailler ses abdos? Tiens, c'est ça qu'il nous faut parce que là, vous savez, vous connaissez la technique un peu quand t'es allongé, tu vois, c'est beau gosse et tout. Non, moi je veux la position. Ok, on va aller voir un tuto YouTube. De toute façon, sur YouTube, il y a tout, on va regarder un tuto. Je le sais, mais je veux vraiment la position. Alors, Marine Lulu, on la connaît celle-là. On peut faire ça? Ça fait mal ça. Ah, c'est des crunchs ça. Oh, je vais mourir. Oh putain, on a 30 et j'en peux plus. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. 100 abdos, ah ça tire quand même pas mal. On se retrouve demain matin.
Yo, comment ça va vous? Bon, on est mardi après-midi, il est 16h. Ok, 16h mardi, je me suis levé tard ce matin, je me suis levé sur les coups de 10h30. Bref, du coup, j'ai pas fait d'abdos ce matin. Du coup, bah, je vous propose qu'on en fasse maintenant. J'ai vu sur la story d'un mec sur Snap et donc je vais continuer de faire l'exercice, vous savez, avec les jambes. Sinon, au niveau des courbatures, je fais ça, je le sens, quoi. Du coup, ça va. C'est que ça a bien travaillé, potentiellement bien travaillé. Ça se trouve, je vais me faire incendier, il fallait pas faire ça comme exercice. On va aller se peser, tiens. Hop! Ok, donc comme vous l'avez vu, 60,6 kg je crois, on verra bien la fin de ce challenge. Du coup, je repars faire le truc des jambes, comme je vous ai dit, tac tac, on va en faire 100 ou 50 et j'en ferai 50 après, parce que là, je vais faire des petites courses à moto, tout simplement, et on va faire ça ailleurs, parce que là, j'ai pas vraiment de place, et hier, je me suis tué quand je l'ai fait, du coup, je vais le faire ici, je pense. Ok, sans tapis, je pense que ça va être chaud et que je vais avoir très très mal, mais on verra bien sans tapis ce que ça peut donner. Ok, du coup là je suis à 25. Je vais re-regarder dans la story que j'ai vue si c'est bien comme ça. Et je vais vous montrer en même temps la story que j'ai vue. C'est. Ah ouais, il monte carrément plus que moi en fait. Ok, faut que je monte comme ça. Regardez comment il fait pitié mon tapis. Il est tout mangé. Bon, ça suffira, je pense. Allez, le tapis d'Aladin, on le met en place. Je suis cuit. Putain, et mes cheveux là, confinement, c'est n'importe quoi. Ok, du coup là j'en ai fait 50 de comme ça, je pense qu'on va l'appeler la chandelle. Le mouvement la chandelle, dites-moi comment ça s'appelle. Là, c'est chaud. Vraiment les derniers c'était chaud. On va faire une petite pause, on se retrouve après pour faire les 50. C'est pas comme ça que je vais perdre du poids moi, et que je vais faire des abdos en béton. Ok, donc je pense que là on est à un point du challenge où faut vraiment qu'on mette des choses au clair. Parce que là c'est vrai. Là c'est vraiment abusé, aujourd'hui on est mercredi et j'ai rien fait, j'ai pas fait d'exercice ni rien. Parce que je pense qu'il faut qu'on mette le sujet sur la table, c'est que les muscles, tu peux pas les faire travailler toujours, tu vois, ça va rien faire. C'est débile ce que je fais entre guillemets comme challenge, mais bon c'est un challenge. Et pour voir si jamais ça fonctionnerait, je l'ai fait avec les pompes, j'avais eu aucun problème musculaire. Mais là je vous promets, c'est pas une question de force ni rien, mais je suis démoli. Donc pour te dire, quand je suis allongé sur mon lit et que je fais ça pour remonter, ça me tue. Ça me tue. Je sais pas ce que j'ai fait à mon à mes abdos, mais je suis mort de chez mort. Ah, je peux vous dire que là, n'importe quel mouvement, je suis démoli. Donc je pense que c'est vraiment un challenge à la con. Et que pour les 100 tractions par jour pendant une semaine, bah on les fera quand même. Mais je pense que je vais vraiment douiller. En fait là, je douille tellement, mais c'est un truc de fou. Mais genre les ponts ça m'avait pas fait ça. Du coup voilà. Du coup là je suis en mode PLS. On va quand même essayer d'en faire genre au moins 50. Mais vraiment ça. Bah déjà c'est bien parce que genre en mode ça travaille. Mais ça me tue. Ça me fait littéralement trop mal. J'ai même plus de motivation tellement ça fait mal. Oh, y a pas des abdos en béton qui sont ressortis tu vois. Mais on voit que ça travaille parce que ça fait mal. Mais ça fait mal. Mais bon c'est un challenge. Je l'avais fait avec vous. Et j'abandonne pas mes challenges. Donc certes là je suis au bord de craquer, d'arrêter tout, mais on continue. Alors oui, je vous ai promis des entraînements en extérieur, mais comme je vous l'ai dit, j'ai perdu toute motivation aujourd'hui pour ce défi. Du coup, il fait déjà noir dehors, du coup ça sert à rien. Du coup, demain on ira le faire dehors, j'espère. Ok, j'en ai fait 10, c'est possible d'en faire, même si j'ai énormément mal quand je fais ça, mais c'est possible. Bon, allongé, on sait pas où ils sont les abdos. Ah, ça se trace quand même un petit peu. Bon, allez, on va quand même essayer d'en faire 50. Ah, c'est... Oh, putain. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Mais c'est quoi, ce challenge? C'est littéralement trop dur. C'est littéralement trop dur. Et c'est même pas dans la tête, c'est... C'est vraiment là. Là, au ventre, aux abdos, c'est... C'est trop fatigant. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Faites-le chez vous, mais pas tous les jours, hein. Tout dans la tête. Tout dans la tête. On essaie encore d'en faire 20. Et on arrivera à 50. J'en peux plus. Plus 10. Si je ressemble pas au prochain T-Bone Shape avec ça, les mecs. On se retrouve demain, je sais pas quand on se retrouve. On se retrouve bientôt, j'espère que je vais pas mourir cette nuit. Ouh. Donc vraiment, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien de faire de l'exercice physique, mais pas forte dose. De toute façon, y a pas un proverbe qui dit tout ce qui est fait à forte dose n'est pas bon ou je ne sais quoi, enfin... Ouais, on verra bien à la fin du challenge, on ira se peser, on ira faire une petite photo après, puis on verra bien. J'espère que vous kiffez quand même en tout cas cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez toujours pas à mettre le petit pouce bleu,
et on se retrouvera bientôt pour faire le défi des tractions. Les bras, ça va, je préfère faire les bras. Pourquoi ne pas faire un super entraînement? Comment il s'appelle? Vous savez, l'entraînement de One Punch Man. Ça vous dit pas on fait ça? Dites-le moi en commentaire quand même, venez on fait ça. En vrai, je pense que ça peut être pas mal. Du coup, j'attends vos retours en commentaire. A tout à l'heure, ou à demain, ou j'espère ne pas mourir cette nuit. Bon les mecs, j'espère que vous avez vu ma petite salle de sport. J'ai fait tous mes exercices. J'ai mal. Et là je fais bronzette. En vrai c'est pas mal, j'ai grave envie de faire la vidéo pour l'entraînement de Super Saiyan, je sais pas quoi. Je vous laisse deviner ce qu'on va faire hein. Cette vidéo commence à être très répétitive hein. Mais vous le savez très bien ce qu'on va aller faire. Donc c'est parti, on va faire ce qu'on a à faire. Ok, 21h30 et je pense que vous savez ce qu'on va faire. On est parti pour faire des abdominaux. Allez, je vous mets la petite lumière pour mieux voir. Oh, le setup de fou, sans abdos, j'en ai pas fait aujourd'hui. J'ai pas la motivation, je vais pas vous mentir. En fait, ça joue là-dedans. Ce challenge, il joue là-dedans. Du coup, on y va. Sans petits abdos, allez, c'est parti. Ok, donc me voilà après 20 abdos, et puis il y en a encore 70, 80 abdos encore. Je suis mort. Mais on lâche rien. En fait, je pense que je vais plus aimer faire les sans traction parce que les abdos, c'est pas vraiment les autres, je préfère les pompes, j'avais kiffé. Il était pas chelou. Plus que 60, on a 40, plus que 60. 100, moins 40, 60. 60 abdos encore, oh putain. Ok, plus que 50, la moitié. 2 minutes, 2 minutes 50 abdos. Et vous voulez que je fasse une nuit dehors? Pour le faire, il fait beau. Heureusement qu'il fait pas froid, mais l'herbe elle est froide. Heureusement que c'est pas toujours les mêmes exercices. Parce que lever les jambes sans fou, j'y arriverai pas. Bon, le challenge est fini pour ce soir. On se retrouve demain, plus de 2 jours. Et enfin ça sera terminé. Mais en vrai, il faut pas de matériel. Un petit tapis et puis voilà, c'est carré. Bon, il n'y a pas l'alimentation qui suit avec. Je pense faire un One Punch Man avec l'alimentation qui suit. Le résultat il serait juste dingue. En vrai, dites-moi si vous voulez que je fasse ça. En vrai, j'ai mis 7 minutes. 7 minutes pour 100 abdos, je trouve que c'est pas mal. En vrai, on peut le faire tout ça à la maison. En 30 minutes, c'est carré. Mais j'espère que mes exercices sont bons. Et normalement, ils sont bons parce que là, je le sens, du coup, ça travaille. Du coup, quand ça travaille, c'est bon. C'est bon signe, normalement. Yo, 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 j'espère que vous allez bien. On se retrouve assez tard. Il est... minuit 49, on est dimanche. Et bah hier, donc samedi, j'ai fait un entraînement crossfit spécialisé dans les abdos. Et je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et je me rends compte que quoi, le rush n'y est pas. Donc vous aurez pas mon entraînement crossfit. Bref, le principal c'est que demain c'est le dernier jour de ce challenge. Et que demain on fera le débrief. Et on verra le résultat, on ira se peser et tout. Bah j'ai hâte d'être demain pour voir ce que ça donne. Et puis je vous souhaite une très bonne nuit. Et allez, à demain matin, ciao ciao. Hey yo yo mes loustiques, comment allez-vous? On est dimanche 26 ou 27, je crois on est le 26. Et c'est aujourd'hui la fin du défi. Mais bah il y a encore des abdos à faire, 100 abdos et c'est la fin du défi, c'est fini. Donc là on les fait en vitesse, on se dépêche, après on va faire la conclusion. Bon, hier j'ai perdu les rushs, hein, vous l'avez vu juste avant. Mais là je vérifie bien que la caméra tourne et je ne perds pas les rushs. Allez, c'est parti, dernière fois qu'on fait ça, let's go. Ok, donc voilà, donc on y va tout simplement. J'ai pas pris de tapis, on va faire l'exercice jambes écartées, jambes levées. On va faire 10 jambes levées, 10 jambes écartées. Et après on va continuer jusqu'à 100 tout simplement. C'est parti. C'est un truc de fou, mais j'ai beaucoup moins de difficultés à les faire, c'est dingue. Genre vraiment à force de les faire, bah maintenant j'ai beaucoup moins de difficultés. C'était comme avec les pompes, et là j'ai plus mal. Ok, l'exo, il faut écarter les jambes. On dirait vraiment l'exo du pipi de chien, c'est un truc de fou. Ah, ça transpire. Hein. Wouhou ! Allez, j'enlève pas le t-shirt, hein, sinon vous allez voir le résultat et vous allez être assez surpris. Allez, je continue. Allez, je continue, à tout à l'heure. Ok, donc tout le monde là on vient de finir, enfin c'était mes derniers sans abdos. Ils ont été laborieux, mais d'un coup carrément
plus facile à faire. Je sais pas pourquoi, au bout de 7 jours, les abdos, c'est devenu trop simple. Je pense que c'est l'habitude, parce que comparé au premier jour, c'était insane. J'étais défoncé, là ça va. Là, je suis bien, c'est les abdos. Et j'ai envie de vous dire, quand il faut, place au striptease. Ouais. Allez, je vous montre. Ok, donc comme vous l'avez vu, déjà j'ai pris 1 kg, c'est what the fuck, j'étais à 60,600 grammes, je suis à 61,400 grammes. J'ai fait du sport toute la semaine et j'ai grossi, mais c'est quoi ce bordel? Est-ce que c'est de la masse musculaire? On est à terme de ce défi et faut que je vous le montre, allez c'est parti. Wow. Oh merde, je casse. Et voilà, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un changement? Littéralement, je pense qu'il y a un changement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a du changement. C'est plutôt pas mal. Pensez, moi, je trouve que c'est déjà mieux. Genre là, on peut voir qu'il y a des petits trucs légers. Le V, il est revenu. Le fameux V, là. Le V des abdos, il est revenu. Bon, on n'a pas encore les tablettes en béton. Mais si on continue, il y a peut-être moyen de les avoir. Bon, quand je me plie, forcément. Ils sont peut-être là les 61 kilos hein, mais voilà, en vrai ça va hein. Regarde, 61 kilos, en vrai il y a plutôt des petits abdos quand même. Je me plains pas. Après je pense simplement qu'avec un peu de nourriture, bien se nourrir, bien dormir, être en forme, je pense qu'il y a moyen d'avoir d'excellents résultats. Dites-moi en commentaire vos formules pour réussir. Et on se dit que s'il y a 1000 likes, je fais la même chose mais avec les 100 tractions par jour pendant une semaine. J'ai hâte qu'on y ait et qu'on le fasse tous ensemble. En vrai, moi, je suis plutôt fier du résultat. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh, bro, moi, je vais peut-être acheter des petits soutifs. Non, en vrai, ça va, ça va. En vrai, c'est pas une semaine qu'on va avoir des tablettes de chocolat, mais si on continue, pourquoi pas ressembler à T-Bone Shape? On sait que tout est possible. Est-ce que vous avez des abdos? Dites-le-moi en commentaire. Ou est-ce que vous préférez avoir une petite brioche comme il faut? Bref, c'est même pas avec ça que je vais réussir à pécho cet été, bro. Regarde. C'est insane. Je sors cette vidéo dans 3 heures. Le même jour. Du coup, bah mettez Team Dimanche en commentaire et je répondrai à tous vos commentaires. Sachez-le, jusqu'à 20h, je réponds à tous vos commentaires. Puis après, j'irai voir tout le temps vos petits commentaires. Mettez des pouces bleus, des likes. Merci de tout ce que vous faites pour moi. Allez, bisous, bisous. Sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer vos transformations sur Instagram. Bon courage à tous. Bon confinement, c'était Léo. Allez voir des petites pubs Utip, c'est gratuit. C'est totalement gratuit, c'est en description. Ça me génère quelques petits revenus. À mettre le pouce bleu, à vous abonner. On rush les 30 000 abonnés. À venir sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne secondaire où il y a des petites vidéos gaming. C'était Léo, on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à noter mon évolution sur 10 dans les commentaires. Sport shot. Allez, ciao les mecs.